Rendez-vous info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au poste. Côté que vous rejoignez nous pour nous présenter un programme dans l'encreole haïtien. Jeudi, c'est jeudi 20 juin 2024. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Quelques grands points cap dominer actualité. D'Haïti, d'après un arrêté qui sortit hier mercredi 19 juin 2024, là, Normil Rameau remplacé Franz LB dans tête police nationale là, comme directeur AI. Actualité internationale, après un contrat à Corée du Nord, président russe Vladimir Poutine signe un accord avec pays Vietnam. Et puis jeudi 20 juin, c'est journée mondiale réfugiés et tempo année ça, c'est pour un monde qui accueille mon réfugié. C'est pour ça yo, avec l'autre quoi nous allons développer pour dans un petit moment, mais actualité mène nous d'abord dans le pays d'Haïti, puis précisément dans la capitale là côté que bataille contre corruption dans l'administration publique là, sécurité. C'est quelques parmi thématiques pour les ministres haïtiens et Gary Conné et certains membres du gouvernement. Eh bien, ils ont abordé pendant une réunion que vous avez et avec objectif pour que la transition ça réussisse. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, correspondant nous, Yves Manuel. Premier ministre haïtien, Dr. Gary Conné, a organisé une réunion de travail avec certains ministres dans le gouvernement et organismes déconcentrés, tant que ULCC, dans l'idée pour capable aborder réussite transition. Gary Conné entend faire de bataille contre corruption, une cheval bataille. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. 30% du personnel de l'État a touché alors que n'est pas là. Premier ministre a annoncé des dispositions pour capable corriger la situation. En même temps, chef gouvernement dit l'a interdit administration publique là mettez en place de système pour collecter l'argent alors que y a pas gain droit pour ça. Déjà m'apprendre moins compte que jusqu'à 30% de personnel l'état a touché l'état comme l'état et pourtant y a pas en fonction y a pas là. Ça c'est des bagages que n'a pas obligé corriger immédiatement et nous pourrons prendre des dispositions pour nous corriger. Moi, je dis que déjà, nous avons trouvé certains abus dans certains domaines bien spécifiques dans lesquels, sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Nous engager, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur la question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que l'implication population, compréhension population, là, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Dans ce qui concerne le volet sécurité, le chef gouvernement a annoncé disposition pour le prendre. Pour capable bailler satisfaction et permettre population vaquer librement à occupation. Nous apprenons tout que n'a pas avancé soit fait sécurité hein? Nous fait plusieurs rencontres en ce sens, nous mettons en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencer bailler population satisfaction sur tout ça. Semaine demain vendredi samedi tout gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sous feuille de route action concrète qui consistant avec accord pour arriver là qui permettent nous voir exactement côté nous pour aller sous les grands chantiers. Gary Conné fait réunion ça dans cadre suivi annonce qui était fait côté Douégon l'état qui reflétait dignité population haïtienne résilience li ak générosité. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis il y a une grosse décision que gouvernement prend c'est Franz LB qui pas directeur police nationale là encore c'est Normil Rameau qui les mêmes c'est nouveau PDG PNH DG et AI. Et puis jodi a c'est journée mondiale réfugiés et thème que ou yo retenu pour année ça c'est pour un monde qui accueille réfugiés. Et c'est dans moment ça dans occasion ça que eh ben groupe d'appui rapatrié à réfugiés GA présenté yon bilan sous autorité dominicaine qui voyait tourner en Haïti plus passer 60 000 haïtiens dans mois mai 2024 là d'après bilan ça yon reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Chaque année 20 juin c'est journée mondiale réfugiés occasion pour saluer force et courage tout le monde qui forcé abandonner pays d'origine pour sauver en bas conflit ou bien persécution. Thème qui kembe pour l'année 2024 là, c'est pour un monde qui accueille des réfugiés. Pour marquer date ça en Haïti, responsable communication groupe d'appui rapatriés à réfugiés GAR Sam Guillaume critiquait dénoncer l'état haïtien Lydie qui pas prend aucune mesure nécessaire pour protéger vie et bien citoyen qui souvent fuit pays d'Haïti
à cause problème ça yo. Samedi Guillaume dit République dominicaine pour mois mai 2024 là voyait tourner en Haïti environ 60 000 haïtiens. Parmi eux, il y a 1865 garçons, 1342 femmes, 409 petites filles et 597 petits garçons. Au total, nous gagnons 6841 personnes qui ont refoulé et sous frontière. Nous recensons un total de 170 femmes enceintes qui ont rapatrié, gagnons 692 et femmes enceintes qui retournaient pour compte payo et gagnent 331 femmes enceintes que yo refoulé. Nous recensé et ça fait au total de 1193 femmes enceintes qui retournaient dans le pays pour le mois mai 2024 là. Nous gagnent tout un total de 674 timoun qui pas accompagné avec parents que yo rapatrié. Sam Guillaume souhaitait autorité haïtienne prendre décision appropriée pour capable créer bonnes conditions qui permettent moun vivre sans problème en Haïti. Gavle adressé spécialement à nouveau gouvernement tout neuf ça qui monté dans pays a pour joindre une solution à problème insécurité a pour toute famille qui gaillé dans quatre coins pays a capable reconstituer yo et puis retourner la caillou. Faut gagner mezi qui prend pour accompagner famille qui plus vulnérable yo. Si là yo qui perdit tout ça yo te gagné caille, économie, business, documents importants et même moun qui cher pour yo à cause violence nèg exam yo. Faut yo joindre accompagnement dans l'état pour yo capable recamper tête yo et puis continuer à projet la vie yo. Gars encourager tout pays à travers monde là pour yo solidaire ak... Et puis demander autorités compétentes de chercher à résoudre le conflit qui est la caille. Oui, dans tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, thème, c'est pour un monde qui accueille les réfugiés. Et grand pile raison qui fait que les réfugiés, question de violence, question de guerre, et l'autre en cause. Et il faut dire que c'était en 2001 que l'Assemblée générale des Nations Unies a pris décision. Ça, nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis depuis New York. D'après Nations Unies, la guerre dans le pays Soudan a déclenché une pire gros crise de déplacement réfugiés sous planète là. La guerre ça a été pété dans le mois avril 2023 entre deux généraux rivales. Elle était poussé déplacement presque 10 millions de monde en dedans pays là et puis il était forcé plus passer 2 millions de monde jeté pour lieu à chercher sécurité dans pays voisin. Le commissionnaire Nations Unies pour réfugiés, Filippo Grandi, a rencontré quelques dans monde ça qui était déplacé semaine ça dans côte-ci, dans partie sud pays Soudan. They're fleeing a horrible violence. Yo obligé sauver en bas violence terrible, violation droit moun qui grave en pile, mais de plus en plus, yo même tout yo obligé sauver en bas dépravation, ak en particulier en sécurité alimentaire, avec nan kek ka grand goût, qui donc ou gen plusieurs facteurs qui clairement produits par la guerre fou ça qui semble pas fini. Nan sit Soudan, agence réfugiés de la Nations Unies yo ap travail pour aider yo, mais aide humanitaire c'est seulement une solution à court terme, la paix c'est ça qui nécessaire. My appeal is really to everybody who has any influence on the parties in this conflict. Appel moi c'est réellement pour tout monde qui gagne n'importe influence sous parti pa yo dans conflit ça. C'est pas pousser dans direction champ de bataille mais plutôt sous table négociation. Yo l'autre côté dans continent africain effet crise climatique là la cause déplacement, li forcer moun yo déplacer surtout les crises yo ma konnen à conflit. And there what happens is that climate becomes a cause of conflict. Et puis là, ça qui passait, c'est que le climat a venu cause conflit. Il empêchait les communautés qui très pauvres d'arriver à vivre ensemble avec ressources de base. L'eau, par exemple. La communauté a commencé à goûter entre eux et ça la cause déplacement. Globalement, quantité de monde qui déplacé, réfugiés et monde qui a cherché asile, ont augmenté pendant 12 dernières années qui sont passées là, arrivé à 120 millions de monde. Pays Ukraine, pays la Syrie et pays Afghanistan représentaient une petite classe plus passée, moitié dans tout le monde qui est forcé déplacer. C'est tragic progression. We just continue. If at least some of these conflicts are not resolved. Pour question tragique, ça pourrait juste continuer si au moins quelques conflits ça y'a pas résoudre et puis conditions pour moun retourner ou rétabli. C'est ça qui est toujours plus bon solution et c'est ça qui gros défi a. Filippo Grandi, au commissionnaire Nations Unies pour réfugiés, avait dit que le bral très difficile pour un monde qui de plus en plus divisé arrivait faire face à défi mondial ça y'a cap grandi. On a rappelé que date 20 juin, c'est journée mondiale réfugiés. Assemblée générale Nations Unies a désigné date ça dans l'année 2001, une façon pour rappeler monde là que plusieurs millions de monde forcés quitter puis à le réfugier l'autre côté. Margaret Beecher pour VOA News dans les Nations Unies.
Adaptation créole, Valerio Saint-Louis pour VOA Créole depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis et bon retour. Et en parlant de réfugiés, Brésil, c'est un pays qui accueille un paquet professionnel haïtien qui, jeune aujourd'hui, a trouvé sur le marché du travail. Nous allons rejoindre Chesley Jean-Baptiste depuis Brésil. Moi, j'ai une chance de faire administration dans l'Université fédérale. Pour l'instant, comme activité professionnelle, moi, c'est banquier. Je travaille dans la banque. Nous capable dit Roussel Serilia, c'est une parmi haïtiens qui travaille pour vendre l'autre image de Haïti dans le pays Brésil. Roussel rivé Brésil dans l'année 2013. Dans une interview avec VOA Créole, Roussel Serilia expliquait même Jacques en pile immigrant, les connaît en pile moment difficile avant même les rivé joindre une stabilité. Fait que vin Brésil, m'étais sorti en Haïti, moi formé en économie, m'étais gain tant d'expérience dans ONG, c'était des jobs que m'te rivé faire dans cadre ça relé cadre organisation des jobs quand même bon responsabilité un degré qui était très haut. Je l'aime vinn Brésil, moi vinn recommencer, moi commencer dans un niveau qui très bas. Moi passer dans niveau non entreprise côté qui c'était construction civile, là me fait 2 mois. Ensuite, moi fait un cours audu et c'est de là j'étais m'a rentrer dans l'autre entreprise qui sont entreprise métallurgie côté me fait 4 ans et demi dans partie question audu. Et c'est de là étant, j'ai 2 cours techniques, j'ai fait 4 ans dans l'école, j'ai formé en électromécanique industrielle, électronique industrielle, et puis après, j'ai pris une décision de continuer. J'ai rentré à l'Université fédérale de Paraná en 2019. Et c'est de là, j'ai eu une chance de faire stage, dans une entreprise qui est Utcherry, qui est une plus grande agence de publicité dans la partie média marketing digital. Et après, je devine pour une décision, je senti que je n'ai pas de marketing. Et puis, je choisis de travailler dans la finance. Pour me rentrer dans la banque, c'est le concours. Et il faut sincèrement, je participé dans le concours ensemble avec quelques Brésiliens. Je suis prêt 5. Je fais partie de 5 personnes qui étaient passées. Mais ce n'était pas facile parce que l'heure où utiliser une langue comme langue auxiliaire, toujours une lacune. Toujours une lacune, surtout dans un niveau supérieur. Donc, elle travaille comme analyste. Pour ce qui concerne l'évolution de la communauté haïtienne là, au Brésil, Roussel Serilia a dénoncé une série haïtienne qui regroupe sous forme d'association avec organisation pour défendre l'intérêt personnel pour utiliser les immigrants haïtiens. Donc, moi-même, je fais partie de monde qui croit dans l'autre paradigme, qui croit dans un paradigme qui veut dire nous avons nécessité en tant que une génération qui immigre dans le pays pour nous institutionnaliser la présence nous, et professionnaliser l'action. Nous. Mais ce n'est pas dans le contexte mendicité ça. Non, l'autre contexte, côté, nous mettons autodétermination au milieu. Nous montons projet nous autodéterminer, nous autofinancer projet nous, et puis nous faisons une association entre nous, pas nous-mêmes, pour nous-mêmes. Dans ce sens, Roussel Serilia lance un appel à chaque Haïtien pour mettre ensemble Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, Curitiba, Paraná. Nous avons toujours dans le même esprit, journée mondiale réfugiés, côté que nous allons parler de programme qui est les Parole in Place là, ici aux États-Unis, que le président Joe Biden a annoncé ça pas longtemps là. C'est comme ça, avocat immigration Eddie et la guerre, lui-même, lui mandé immigrés haïtiens qui aux États-Unis pour y chercher qu'on ait critères en vain pour éviter confusion. Et nous allons rejoindre Luxon Saint-Ville qui lui-même est rentré en contact avec l'avocat immigration Eddie Laguerre. C'est un mézi, mais Eddie Laguerre a appelé qui annonçait depuis quelques jours Parole in Place, un programme qui était là déjà, mais qui élargit qu'on y a sous l'autre catégorie immigrants. Programme ça, dire le Parole in Place, il était déjà là pour monde qui sait famille. Moun ki nan militaire aux États-Unis, qui nan l'armée américaine, li te déjà là pour yo. Mais quand y a là, li l'ouvril, ba on l'autre catégorie moun. Par rapport à quelques contents décisions sa provoqué, avocat immigration vle adresser la communauté haïtienne nan pou di yo, ki moun ki éligible pour programme ça. Fok, pour un moun bénéficier de programme ça, ou te rentré aux États-Unis sans que ou pa te gagne ou admission normale, sans que ou pa te gagne sou nan passeport bien forme I-94, ay, ou pa te gagne parole, ou pa te gagne rien, l'autre te rentré. Ça c'est yon. Deuxièmement, faut que ou gagne 10 ans depuis ou vive aux États-Unis physiquement présent aux États-Unis avant date 17 juin 2024. Et puis en dernier lieu, faut que moun sa li légalement marié à un citoyen américain dans date 17 juin 2024.
comment ça pral déroulé, qui j'ai intéressé ou capable de faire application, mettez dit la guerre à retourner sous ensemble avantage programme non. On ça capable d'appliquer pour une parole sous place, c'est m'ta mettre en créole, mon ça fait une application et là elle fait application ça y a balle un statut légal pendant 3 ans et statut ça a venir avec forme que le pas gagne l'aide la matériel qui c'est forme I-94 là. Forme I-94, lorsque mon ça vient gagne, donc la vigne ça a besoin pour capable ajuster statut. Et pendant ça y a balle un statut pendant 3 ans ça l'a gagné 4 travail et s'il si était gagné en caisse déportation dans tribunal, y a permettre que les protéger par rapport à qui ça veut dire qu'à demander pour fermer qui ça même parce que justement les c'est un monde qui gagne parole et les protéger contre déportation et au bout de 3 ans ça ou bien pendant une période de 3 ans ça il est capable de continuer chercher ajuster statut. C'est pas seul l'immigrant illégal qui gagne 10 ans sous territoire qui pourrait bénéficier programme ça seulement. C'est un américain capable à la fois font pétition pour parents qui c'est mari ou bien madame citoyen américain hein, et puis le capable faire pétition séparée pour petite moun que le mari avec lia qui c'est pétition qu'on fait pour beau-fils et belle-fille. Ça veut dire dans programme parole in place là petit moun sa yo y a capable aussi bénéficier de lui yo même yo pas obligé gain 10 ans depuis à vivre dans pays a mais faut que tu déjà gagne une relation beau-fils belle-fille avec moun qui sont américains depuis avant date 17 juin. En attendant USCIS by détails sur qui les a commencé à recevoir application yo, combien cob l'a coûté. Avocat Edi Laguerre conseillé tout immigrant pour pas al courir marié à qui un citoyen américain kounya pour yo ka bénéficier parce que date pour yo te fait ça déjà passé. Depuis Miami, l'état Floride. Luxon Saint-Ville pour VOA Creole. Ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Pas déplacé. Actualité internationale là, dans un petit moment. On va suivre rendez-vous info sous VOA Creole. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer autant que nous t'ai annoncé n'a pas entré dans l'actualité internationale là après une visite de 2 jours dans la Corée du Nord, président russe Vladimir Poutine voyager Vietnam côté les fait chante attendez acte Kylie. Sandra Lemaire gain détail. Président russe Vladimir Poutine fait chit attendre avec président vietnamien Tô Lam dans Hanoï jeudi dans cadre d'une visite d'état la fait dans pays ça côté la chercher renforcer lien li avec pays amien. Lidi la Russie mettait en pile importance dans la question qui gagne rapport à renforcer le lien nous à pays amis nous depuis longtemps, dans le cadre relations et stratégies compréhensives avec partenariat et stratégique. Et relations saillot continuer développer progressivement dans l'esprit égalité avec respect yun pour l'autre et puis considération pour intérêt chaque pays. Commentaire Poutine Yovini après un échange accord coopération entre responsables russes et vietnamiens. Visite d'État leader russe là a fait dans moment côté Moscou a fait face avec plus isolement international à cause action militaire yo dans Ukraine. Pendant ce temps, Corée du Sud exprimait inquiétude li vis-à-vis accord rival li Corée du Nord soutien avec la Russie. Chang Ho-jin, c'est directeur sécurité nationale Corée du Sud. Les gouvernements exprimé gros cassoté et condamné Corée du Nord avec la Russie pour renforcement lien économique yo à coopération militaire qui détaillé dans accord et stratégie compréhensif yo soutien. Président Corée du Sud Yoon Suk-yeol publié une déclaration côté les condamnés à corps à tout que li dit li considéré tant qu'une menace pour sécurité pays li à qui une violation résolution Conseil sécurité Nations Unies et averti ça pral gain conséquence négative sur relation entre Séoul avec Moscou. Yon responsable bureau présidence là parlait avec Associated Press sous condition pour yo pas citer non li. Et puis, il dit que l'impossible que Corée du Sud a reconsidéré question fournie Ukraine ZAM pour aider le repousser invasion russe là.
Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis qu'on a actualité à peine nous dans la région Moyen-Orient, côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken, fait connaître que l'administration Washington a travaillé pour combler vide qui gagnait dans l'accord cessez-le-feu Israël-Hamas après militaire a fait nouveau exigence. Jean-Robert Philippe Capsu pour nous de très près situation. Jean-Robert, eh bien, annonce a fait dans le moment que l'armée israélienne fait les difficiles pour détruire Hamas. Oui, son déclaration contre vraiment Tidi Fébouligé, c'est pour la première fois qu'il a pris la rue, entre l'armée avec le gouvernement. L'armée a fait connaître que c'est très difficile pour détruire les militants Hamas, tant que les gens et le gouvernement veulent faire comprendre qu'il dit qu'il s'est trompé, il a trompé le peuple. La force israélienne a tiré coup de mortier dans la centrale territoire Gaza, dans la nuit, mercredi pour arriver jeudi, côté Otoye, trois personnes pour Bibiti et blessé plusieurs douzaines d'autres. Force israélienne a concentré l'attaque sur deux fronts, dans Rafah, dans le sud territoire Gaza, avec dans l'entour de Al-Bala, qui est même dans son territoire. Dans le moment, la guerre a rentré dans plus passé huitième mois. Jeudi 20 juin, l'autorité palestinienne a libéré 33 Palestiniens ont été arrêtés pendant un mois qui passait dans le territoire Gaza. Pendant ce temps, par un signe qui montrait un campé dans la bataille-là, j'ai fait un médiateur international lieu avec support des États-Unis, pas arrivé à convaincre Israël avec Hamas pour mettre d'accord sur un accord cessez-le-feu. Tellement vrai, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a accueilli le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans le commencement de la semaine, a déclaré que les États-Unis toujours à PC comblé vide dans ce cessez-le-feu Gaza après Hamas a ajouté de nouveaux conditions à quoi. Hamas came back. Hamas vient avec de nouvelles propositions, nouvelles demandes, tant que conditions avec demandes qui allaient plus loin que propositions qui étaient déjà acceptées. Donc, notre travail pourrait, si nous sommes capables de combler vide là. Nous avons un département d'État ajouté, l'administration continue à préviser livraison, cargaison, bombe, 2000 livres qui étaient doués aller en Israël à cause d'inquiétudes qui ont gagné pour bien-être palestinien qui vivent dans le territoire Gaza. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bombs. Déclaré, Monsieur Blinken te bali assurance que l'administration a travaillé pour annuler les restrictions sur livraison d'armes pour Israël. Une décision chez le gouvernement israélien considéré qui est inconcevable après l'administration a bloqué livraison d'armes avec munitions pour Israël depuis mois qui passaient. Pendant ce temps, le journal américain The Wall Street Journal publie un article côté de rapporter une faille qui gagne entre le premier ministre Benjamin Netanyahu avec le leadership militaire qui commence à prendre la rue après déclaration porte-parole de l'armée Daniel Agaïfen dans une chaîne télévision mercredi soir pour le dire objectif premier ministre là à poursuivre pour détruire Hamas dans le territoire Gaza irréalisable. Porte-parole a ajouté idée qui voulait faire comprendre non capable de détruire Hamas ou bien disparaître groupe là a trompé public là. En réponse, bureau premier ministre a publié une déclaration pour dire cabinet sécurité premier ministre là a dirigé a gain pour objectif destruction capacité militaire Hamas à capacité pour diriger territoire. Force défense israélienne IDF te prend engagement pour réaliser objectif là. Premier ministre Benjamin Netanyahu a déjà rejeté une série de propositions tant qu'alternative possible pour remplacer Hamas tant qu'au plan États-Unis pour retourner avec autorité palestinienne à Karad dans un gouvernement unité nationale palestinien qui a gagné la donne Hamas. Quelques analystes militaires questionnaient si oui ou non installer un nouveau gouvernement dans le territoire Gaza a bien possible étant donné Hamas réussit à survivre une série d'attaques militaires israéliennes. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis toujours dans l'actualité internationale, il y a un policier dans le pays Kenya qui écrasé à camion de l'eau et gaz lacrymogène. Il y a une manifestation pour contre augmentation de taxes. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Niage gaz lacrymogène te plein la rue dans district financier capital Kenya pendant officier yo tap essayer bloquer chemin manifestant yo qui tap essayer rive dans building parlement dans l'autre gros ville tankou Nyeri, Nakuru, Eldoret ak Kisumu. Manifestant yo te kembe pankat ki gen slogan tankou nous di non ak diktati économique pendant yo te mande législateur yo pour yo retirer loi finance controversé. Nous pas nier que gen bagay yo changé dans projet loi finance là. Mais jan mwen te comprendre li, yo te retiré sou youn, yal ajouté le sou yon lot. Alors, jodi a
Qui gens yo taxé yon paysan qui gen cancer? Qui gens yo taxé yon paysan qui gen diabète? Nous pas y menen point ça. Ça trop. Manifestant yo di proposition augmentation taxe sou atik tankou propriété machine, pain, l'huile pour cuit manger ak transaction financière yo pral mette plus pression sou Kenyan yo qui déjà gen gros difficulté ak kou la vie. And the reason I'm here today, raison qui fait moi ici là jodi a, c'est parce que moi kwè ke yon pati nan taxe qui te incline nan projet loi finance lan pa gen sens. Bataille isolée te pété nan Nairobi entre manifestants ak policiers qui te utilisé gaz lacrymogène ak canon de l'eau contre manifestants qui te rassemblé tout près parlement qui te commencé débat sous projet loi mercredi. Malgré gros présence policier ak barrage qui te metté sous plusieurs routes qui mènent nan parlement, plusieurs centaines manifestants te rassemblé en groupe. Yo tap soufflé sifflé ak vous c'est las, yo te kembe pankat et yo tap chante. Routo doit aller. I think it's time for Kenya to change. Moi pense que li lè pour Kenya changer parce que yo te habitué ak paran nou yo ki pa jam questionné yo. Paran nou yo te pè yo. Nou pa pè yo. Nou gen constitution. Nou besoin zot respecte li. Nou pa mande an yen fou. Yon sous parlementaire te di AFP ke yo te espere yon vote sous proposition yo nan date 27 juin kap vini la 3 jours avant date limite pour adoption loi. Kenya se yon nan ekonomi ki pi dynamique nan Afrique l'Est la. Mais un tiers nan 51.5 million moun ni yo ap viv nan pauvreté. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Augustin Junior, nous pral parler boule. Et puis à soir c'est Copa América avec ouverture qui gagne jodia. Marie Sophonie lui pral dire nous plus. Yo été riche en compétition football. Si nan moment n'a parlé là, Coupe d'Europe a déroulé dans pays Allemagne, et bien nous même nous en direct dans pays États-Unis. Plus précisément dans la ville Atlanta pour nous porter pour le match inaugural 48e édition Copa America. C'est pour deuxième fois dans l'histoire compétition ça l'a joué dans le pays États-Unis. N'a rappelé première fois c'était en 2016 dans cadre 100e anniversaire compétition ça et Haïti t'a une chance participer dans centenario. Malheureusement Anessa, Haïti pa fè pati 6 pays qui sorti nan CONCACAF la qui pral gè pour troke kon yo ak 10 lot qui sorti nan Amérique du Sud la. Sorti 20 juin pour rive 14 juillet 2024 Anessa. En pile nan nou a pose tête une question pour qui sa compétition sa, c'est nan pays États-Unis li ap jwe. Eh bien, pays l'Équateur qui te gen pour responsabilité organiser compétition ça, t'a pral décliner en novembre 2023 ça qui t'a pral faciliter États-Unis comme yon pays qui a émergé dans zafè football pour jouer une chance et legacy de Alejandro Dominguez paraguayen qui c'est président CONMEBOL là pour organiser 48e édition ça. Chaque fois compétition arrivé en Amérique, li changer format. Format qui était là en 2016 là, li retourné encore en 2024. Si en 2021, on équipe te gen chance pour jouer tout prochain comme meilleur troisième, eh bien Anessa pas gen meilleur troisième. C'est deux. Donc rendez-vous c'est Asoya dans match inaugural là et ben n'a bien pour nous monsieur Messi Asoya parce que Argentine a joué contre Canada et nous connaît que gon bouillon boule là tout en Europe donc moun qui aime football yo et ben yo gâté avec deux gros compétitions ça yo yon en Europe et puis yon en Amérique et c'est là nous mettez fin dans programme aujourd'hui et ben c'est ton plaisir comme d'habitude pour te servir donc rendez-vous c'est pour demain 4h pour un autre rendez-vous info. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lambert. Laissez-moi dire que nous pral continuer faire débat, analyser, poser questions sous question insécurité et ensemble de leurs problèmes que pays a connait jeune aujourd'hui. Et nous pral garder niveau de
responsabilité, niveau de engagement qui doit prendre pour au moins résoudre question insécurité. OK? Parce que n'a dit que insécurité hein. Pourquoi ça fait chaque jour l'envine parler de lui? Pourquoi ça fait que nous mettez en pile accent concernant insécurité hein? Parce que je dis hein, m'a dit je dis seulement pendant 2 3 jusqu'à 4 l'année là insécurité hein li se pi gwo maladie ka manje société haïtienne nan ou bien dit li se pi gwo maladie ka manje société haïtienne nan depuis environ 2 3 4 l'année et ça vinn pi mal depuis 29 février 2024 qui se passait là, rivé journée jeudi hein, avec mouvement que organisation criminelle Vive Ensemble déclenché dans la capitale haïtienne non, et zone qui environnait lieu. Ça vient plus mal. Février, mars, avril, mai, juin. Et pendant 5 mois ça yo question insécurité a vinn pi mal. Mais si n'a pas compté, depuis 12 mars 2021, nous vraiment plongé, pays a vraiment plongé dans une insécurité sans pareil. Ou ka pa d'accord avec? Ou ka pa d'accord avec? Ou ka monte pi wo? Mais m'a prend comme si lève vraiment que situation pral commencer compliqué. Bon ma même m'a fouti monté pire toujours. Depuis les Arnel Joseph. T'es qu'on a bloqué Matissan, les la goumé avec Chris là. Et depuis dans période ça yo, pays a té commencé à plonger dans une insécurité. Mais pas laisse à l'époque l'ité comme un jour bon, un jour pas bon, vous comprenez? Comme ça. Mais de 12 mars 2021, les que équipe ISO 6 secondes en deux villages de Dieu, yon touye policier sa yo, mais n'a dit que payant plongé dans une insécurité sans pareil, et jusqu'à présent, nous pas connaît qui l'a sorti la donne. Et si menti dit menti. Si menti dit menti. Et je dis hein, peuple haïtien hein, pigou espoir que le gagne. C'est ouais que insécurité a li résoudre. Ah oui. Pigo espoir peuple haïtien journée jodi an. C'est vrai que d'abord grand axe routier nou yo n'a dit rentrer nord pays rentrer sud pays en bas mon cabrit zone moun ki pral aller mal passe pont parisien moun ka prend de l'autre côté en de pays. Yo vle que question zone sa yo yo débloqué yo débloqué et pour permettre que pays yon capable d'aller en souffle. M'bral di ça m'bral di la clair. Et m'bravle que quelques soit amis qui gardent nous là yo
fait ça avec comme exercice dans commentaire qu'on pral faire là. Pas oublier que gouvernement koni nan ki a peine installé là avec un nouveau ministre justice qui c'est M. Carlos Hercule, avocat, ancien bâtonnier Port-au-Prince, qui c'était ancien avocat Madame Edwin Toton. Pralgué de passer mais, pralgué de changement, pral fait qui pral opérer dans la juridiction judiciaire pays d'Haïti. Pas oublier qu'il y a 18 juridictions judiciaires en Haïti. Ça veut dire qu'il pral changer commissaire gouvernement. Il pral changer substitut commissaire gouvernement. Dans 18 juridictions pays a connait jeudi aujourd'hui. Gain jeudi aujourd'hui. Laissez-moi mando ça. Est-ce que ou pour que yo kembe commissaire Muscadin Jean-Ernest Muscadin dans tête juridiction Miragouane? Est-ce que pour que yo kembe commissaire gouvernement Miragouane Jean-Ernest Muscadin toujours comme commissaire gouvernement Miragouane? Est-ce que pour ça? Et si que pour ça, si que pour ça, écris dans commentaire ça, oui ou pour que Kembe Muscadin comme commissaire gouvernement Miragouane. En parlant de ça, n'apprend que Muscadin frappé. Muscadin frappé jeudi. Il frappé un toho, toho a tombé. Et tandis que comme quoi monsieur c'est un membre groupe gang que Boudba cap dirige Mariani. Et commissaire Muscadin mettez dominage monsieur. Commissaire Jean-Ernest Muscadin mettez dominage présumé bandi ça qui lui même t'ai fait partie équipe Boudba cap opérer dans Mariani. Je dis à tout le monde d'accord que le pays a besoin d'autorité, besoin de nèg comme Muscadin. Ah oui. Je dis, Ouais. Société a d'accord que OK. Pays a d'accord que yon ek tankou Muscadin, monsieur mérite place li comme commissaire gouvernement. Ok? Yon ek tankou Muscadin, selon sa ki di bon côté, bon côté, en pile moun nan société, en pile moun nan société, yo wè on est tankou Muscadin, monsieur mérite sa rele monsieur mérite comme si m'kapab capable di moyen nan men. Parce que yo di Muscadin a fait un travail. Yo travail professionnel. Yo travail qui méritait applaudi, qui méritait moyen.
qui méritait encadrement et alors que Gemon qui même dit que PA allez PA a besoin de 10 muscanés comme commissaire gouvernement. Moi tant des témoignages nous yo. Moi tant des témoignages nous yo. Nous dit que PA a besoin dans chaque juridiction n'est pas 10 commissaires muscanés dans chaque département yo. Et pour un bel résultat. Et n'a songé récemment Muscané était dit que lui-même pendant que gien le matériel blindé ça cap venir pour la police acclamer hein il pas besoin pile lui-même bal au moins deux petits chars blindés bal que bon grain matériel bal deux trois bon grain policiers mettez sous ça gien yo et puis pour assurer que n'est pas qu'à traverser grand sud là et l'a commencé bloquer depuis dans Gressier. Depuis Gressier, l'a tout commencé bloquer. Et s'il le faut, même arranger l'arrivée sur les boulevards dans Mariani. Muscané dit-il. Nous t'avons dit-il. Que donc je dis, hein? Est-ce que nous pourrons jouer une notoriété ça? Est-ce que nous pourrons jouer autant? Regardez, un langage chef, un langage autorité, la caille. Nouveau DG la police qui c'est Ramon Ormil. Et toute équipe qui va diriger ensemble avec lui, est-ce que nous prenons jouer ça une autorité comme ça? Est-ce que nous prenons jouer une autorité la caille ministre justice pays en Kounia qui c'est mettre Carlos Hercule? La caille chef CSPN non qui c'est Gary Conille comme premier ministre? La caille conseil présidentiel yo et la caille et général lieutenant la médaille tien Jodel Lesage. Est-ce que nous pourrons jouer une notoriété ça yo pour que yo mette ensemble dans réseau ça gala comme sécurité en d'abeille. Jodi an laissez-moi dire nous question insécurité, hein? Ok. Li pas en question de changer DG, mettre DG, la police. Ok. Ma boue dit ça bon. Je dis, question insécurité, libre question de changer DG, mettre DG. C'est vrai que nous d'accord, France LB, pas de jamais poser aucune action concrète, pas de jamais mener aucune opération sérieuse pour te river des mains. Les bandits, tout le monde d'accord ça. Tout le monde d'accord ça. Les France LB, pas de jamais poser aucune action sérieuse. Et même là, quand France LB, qui n'est pas le crasse, n'est pas pillé, c'est comme quoi m'ta dit France LB même ba ça importance même qui donc on est comme ça li normal que li pas ka protéger la vie moun s'il pas ka protéger tête li mais pas ka protéger la vie l'autre moun yo alors que job la police en mission la police en c'est protéger vie ak bien moun en nan Haiti. Est-ce que nous d'accord ça? Est-ce que nous d'accord ça? OK. Okay. Ça veut dire si jodi hein, France LB pas de protéger même tête li même la Kaili, mais c'est une logique, c'est normal que li pas ka protéger haïtien et s'il pas ka protéger haïtien, ça veut dire place ba là. Mais là petit bagala sincèrement tout. Résoudre insécurité hein. Vraiment, les pas nos questions, retirer tel DG, mettez tel DG.
Parce que m'le sa clair dans tête nous. Et pour zanmi qui t'a ka penser que nous même ici là dans Messac Nouvelle. Na Blaise Info, Pain Nouvelle, votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti. Nous t'avons une promotion que n'a fait pour Gamo, n'a dit non et retirer ça dans tête tout. D'ailleurs après ici là, les n'a parlé souvent dit que archiviola c'est que en 2020 les que ramoté déjà la police et ben PM à l'époque là qui c'est Joseph il était blâmé parce qu'il t'a dit que Ramo pas de cabaye résultat bien que tout Ramo tout t'a demandé le moyen et je t'ai dit ça est-ce que si yo t'a Ramo moyen il t'a cabaye résultat que ne pas connait. Est-ce que c'était révocation que tu as fait dans le moment que tu ne pas connaît? Mais Joseph Jout t'es révoqué. Et je dis, si Ramonon il retourne comme DG la police, est-ce que c'est dit ça dit que li prend jeune moyen? Ou dis-moi ce que, bon, je suis certain. Li pral jeune moyen et li pral li dit li que la kabay résultat. Sinon, li pas ta capable choisi pour que li entre tête li dans job ça Jean Magasaye là. Est-ce qu'on d'accord avec moi? Donc je dis clair. Et me songe non exercice que me défa avec nous dans au émission que me défa. Moi te dit moi aller moi te aller Mario André Sol, moi aller Michel Ange Deon, moi aller Godson Aurelius, moi te aller même Léon Chol, moi te aller Ramon Normil, moi te même venu avec France LB pour me dit qui est notre tout ancien DG et DG qui était là, qui est capable occuper pour ça et si on a le moyen que la résultat. En pile là nous te gété aller Mario André Sol, gété aller Ramon, gété aller Michel Ange Deon. Nous d'accord ça? Qui donc je dis, hein? Ramon Normil, qui là, comme DG la police, qui t'est doué installé jeudi 20 juin, mais la présidence avec l'administration Koninan, y a décidé pour y a renvoyer installation ça pour journée cap vendredi 21 juin que nous apprenons. Nous pas connaît si y a reculé là toujours mais nous tendez c'est pour vendredi cap 21 juin que yo renvoyer cérémonie installation Ramon Normil comme DG la police comme on le fois DG la police pour un petit bout de temps. Bande comme ça. M'bra dit des bagay là que m'croit que Marie-Jasmine d'accord avec. Marino Zifop d'accord avec. Marizana Zaviab d'accord avec. Et Elino Tiviab d'accord avec. Fondation Chris capable ab d'accord avec. Jenny Baptiste ab d'accord avec. Wilnab d'accord avec. Et la Lance Saint-Aubert d'accord avec. Et tout l'autre ami qui yo même qui s'est de super abonné ensemble de médias sa yo et qui apprécie travail nous moi avec Désir Venesse laissez-moi dire nous que résoudre insécurité hein li pa seulement travail Ramon Normil li pa seulement travail c'est bien li pa seulement travail Ramon Normil. Li pap seulement travail chaîne commande de la police non? Li pap seulement travail ou état major la meilleur? Li pap seulement travail et chef CSPN dans la présidence et li pap seulement travail nan amener des opérations pour démanteler pour déchouquer bandi a sa patio qui en ghetto. Li pap seulement travail moun ça. Li pap seulement ça. Parce que m'a toujours dit ici. Hein. Et moi, Désir Venesse, nous toujours dit ça ici. Hein. Ok? Nous toujours dit que l'insécurité, c'est une chaîne que lié. Ah oui.
nous toujours dit que insécurité c'est une chaîne. Oui, c'est une chaîne que lié. Et c'est une chaîne. Et où est chaîne insécurité, hein? Wesh chaîne insécurité, hein? Laissez-moi dire non. Laissez-moi dire non. Si que nous pas bay chaque grain maillon en enchaîne sa importance et pour que nous prenne de disposition contre li, n'ap lave men nous si à terre. N'ap lave men nous si à terre. On clé sous ça. Parce que Emral Emral aide nous identifier en pile dans maillon ça yo qui important qui alimenter insécurité en Haïti. Et faut nous tenir compte de yo. Faut nous tenir compte de yo et pour permettre que hein? Pour permettre que nous joignons ça à chercher. Parce que je toujours dis, mener opération en le ghetto, yo, côté que bandi occupé yo, et démanteler yo, destituer yo, c'est bien. C'est bien. Mais si que nous pas chercher sous financement, on m'a dit me sauver. N'a touyé, m'a toujours dit, n'a touyé Iso, n'a touyé Mano, n'a touyé Tilapli, n'a touyé Barbecue, n'a touyé Chris là, la mort sans jour, et Jeff Canaran, vite l'homme innocent, après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, n'a pas de l'homme qui a reproduit encore. La solution, hein? C'est éradiquer chaîne net dans la question de sécurité. Je dis, hein? C'est doué que opération qui mène tout pour que nous identifier moun ka bay sam à katouche en nan pays. Ouais ça, li vraiment important. Pendant que opération ka pran la mobiliser chablende, la mobiliser matériel engin lou la police pour nan démanteler les gangs de ghetto, mais faut nous mobiliser tout. Faut nous mettre des commissions, mais des comités campés pour qu'on soit capable de connaître qui est-ce qui a fait ZAM en ghetto. Qui est-ce qui a fait ZAM en train de payer et qui est-ce qui a permis ZAM à aller dans le ghetto. Ça est très très important, ZAM internaute. Ça est vraiment important. Ça est très important. Parce que je dis, hein, m'a dit le clair. Yeah. Je veux dire, m'a dit le clair. Et moi, avec désir, venais toujours dire ça. Ok? Moi, avec désir, venais toujours dire ça. Ah oui, nous toujours dit ça. Nous toujours dit que. Jean Ounetakou, Jean Rebelle d'Orsena, CNDDL, hein? Et qui c'était Commission nationale et désarmement, démantèlement, avec réinsertion important pile. Monsieur, m'attendez, ancien sénateur, Jean-Renel Senatus, qui s'était ancien sénateur l'Ouest pays, ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, que tout le monde est le Zokiki. Ok? Et pas oublier que nous avons Jean-Mil Jolie alias Yon Yon, qui lui-même s'était ancien chef groupe Gang 400 Maouzo,
Et monsieur était arrêté contre le bagage et monsieur Lee Kunyala, procureur aux États-Unis, m'a dit pour monsieur passer toutes 13 villes en prison. Bien que avocat yon yon dit non, yon yon pas qu'à passer toutes 13 villes en prison, mais yon m'a dit une peine de 17 l'année pour yon yon. Et yon yon dit que il t'a remis ouais maman avant maman mourir. OK bon yon yon. Pas oublier que yon yon accusé Jean-René Senatus. Il dit à travers de personnes interposées, intermédiaires, ça veut dire Senatus te connait passer à travers des monde pour que yon capable et pour yon capable pour tes ambali. Yon information que Senatus veut rejeter. Yon information que Senatus veut rejeter. Et m'attend des Jean-René Senatus alias Zokiki. Monsieur t'a parlé dans l'interview qu'il bail avec confrère concerné yo son antenne radio télévision Caraïbes. OK. On va voir. Monsieur dit que Monsieur dit que OK. Monsieur dit gen deux moun mais gen deux groupes moun qui connaît mais gen deux entités qui compte qui est moun ki nan bay zam an nan geto yo qui est moun ki nan association criminelle an nan pays pour me répéter Senatus li di gen deux groupes moun René Simon salut mon frère René Simon fondation Christ capable et Lalane Saint-Aubin gen tout Alfares dessous Oxley Jean, OK? Carole Charles et Solas Ministeries, bon Charles Lewis, mon frère. OK? Senatus dit comme ça, gen deux groupes moun, gen deux entités qui connaît qui est moun qui n'a commis zam en nan pays. Et si vous d'accord avec sa Senatus dit, écris dans le commentaire là dit ou d'accord. Si vous d'accord avec sa Senatus dit, écris dans le commentaire là dit ou d'accord. Monsieur dit des gens rebelles d'or Sénat. Bon, vous prenez ça. Jean Rebelle d'Orsena. Jean Rebelle d'Orsena me songe et me toujours dit ça ici. Léna mené bata ko question insécurité hein. Jean Rebelle d'Orsena capable ba nou bouradui. Nou capable rele moun commission et CNDD yo capable nou bouradui et parmi moun Jean Rebelle d'Orsena capable. Parce que M. Senatus dit Jean Rebelle d'Orsena connaît tout moun qui est nan ki la commerce zaman nan bien. Et me songer Jean-Rebel d'Or Sénat dit des bagailles. On connaît son antenne Radio Méga en Haïti. Et son antenne et Métropole, si je ne me pas trompé. Il te dit que il y a 11 à presque 12 familles, mais 13 familles même, qui n'ont commis ZAM dans le pays d'Haïti. Yeah. C'est pas moi. C'est pas bouche de TP, c'est pour le dire ça. Et il te dit à faire. Ah oui. D'Or Sénat dit qu'il y a environ 12 à 13 familles qui n'ont commis zam, vend zam en Haïti. Alors, vend zam illégal. Parce que pas aucune loi qui vote, pas aucune loi qui signe que, comme si trafic zam ou commis zam légal en Haïti. Pas comme ça. Parce que, on dit bien, commis zam, nan, c'est illégal, oui. Parce que pas aucun texte de loi qui vote par l'État haïtien. Gouvernement passé avant qui d'accord que question vendre zam légal en Haïti, pas comme ça. C'est-à-dire, nèg yo créé contre ke ban yo,
Nèg yo fè zam rentre nan kontene, nan doum, nan tout vie bagay ko konnen yo, et les zam yo rentre, yal dédouane, yal pre yo nan douane nou yo, nan tout douane nou yo, et puis yo fè zam sa yo, passe par de individu pou rentre nan ghetto yo. Je dis yon, Jean-Robert Dorsey n'a kapab di avec pays qui est moun sa yo? Oui. Jean-Robert Dorsey n'a kapab di avec gouvernement Konil et président ce qu'il a mais qui est moun sa yo? Ensemble avec DG la police là. Il a dit mais qui est moun sa yo? Oui, qui ban grand nèg pou privé yo? Et ça pa gen pou privé yo, yo acheté bouche à douanier nou yo. Y acheté bouche police BLTS brinou yo ki nan po yo pou ke yo pa yo pa di rien puis yo kite yo passé avec marchandise yo. Je veux dire quoi que gen de bourade ki capable bay nan question pour résoudre insécurité. Ah oui. OK. OK. Je dis hein. N'a dit Jean-Robert Dorsey là encore le from dit ça souvent ici hein. Mettez au service de autorité qu'il a yo pour aider au joindre information de qui est moun qui n'a commis zam en nan pays. Ça là très important. Parce que pas oublier pendant que gè de mobilisation qu'a fait pour al démanteler pour al déchouquer bandi a sa patrie dans ghetto mais fon gè des opérations tout qui pour mener pour arrêter moun ki nan commerce zam bandzam illégal dans pays ça ne clair sou li parce que sinon c'est la vie messiate si c'est seulement penser à arrêter à démanteler bandi a sa patrie et ne pas penser pour capable moun k'ap financer zam yo dans ghetto yo ne pas penser avec pour arrêter ou tout pour compte qui est joué pour empêcher ça c'est la vie messiate. Et je dis, hein, mais n'est pas ta côté sécurité en toujours. C'est pour un bon jet de disposition dans le niveau douane. Bon jet de disposition. À travers l'agent douanier, à travers le directeur douanier, à travers la présence policière, soit BLT, soit Brissalien, mettez de unité qui l'a pour ça, pour capable vraiment contrôler, surveiller. Contrôler, surveiller tout ça qui a entré comme marchandise à travers port nous, à travers douane nous et à travers aéroport nous tout. Il est très très important. Dit voie d'entrée qui permet ça à quatre entrant dans pays, faut l'état contrôler. Faut l'état contrôler. Et faut yo vérifier chaque mégade. Même un petit paye qui a entré, qui a sorti à l'étranger pour entrer en Haïti, faut l'inspecter, faut l'superviser par autorité douanière et faut l'superviser par autorité policière pour qu'on qui ça exactement. Ça est très très important. Puis tout ça, li nan batay kont question de sécurité. Hein? Ah oui. Tout ça rentré nan batay kont question de sécurité en nan pays. Hein? Tout ça entre là-dedans. Tout ça entre là-dedans. Bataille contre insécurité, hein? Tout ça rentre là-dedans. Faut contrôler port nous yo, faut contrôler droit nous yo. Et pas contrôler pour contrôler non, faut nous mettre de strict surveillance. Nèg ki gen pou privé yo, faut l'état capable contrôler le tout. Ah oui, faut l'état capable contrôler. Le pas du bagage pour privé non, mais l'État a metté de agents douaniers, l'État metté de policiers qui spécialisés dans la question ça pour contrôler ça qui prend très comme marchandise dans pour privé moun ça. Son droit. Oui, son droit. Yeah. Et pas de aucun moun. OK. Et pas de aucun monde cap ka empêcher que l'État fait ça. C'est l'État était l'État. L'État était l'État.
pouvoir était pouvoir, autorité était autorité, que l'État prend autorité. C'est pas normal. Un pays n'est que crasé pays dans l'armée jeune garçon. Yeah. N'est que armée pays, n'est que gaspillé jeunesse haïtienne. Non. N'est que tout y est vieillesse haïtienne. Non. N'est que fini avec espoir pays, ti moun yo. Il n'est pas normal. Je dis, hein, l'autre Haïti a pas droit. Il a pas radis pour un groupe monde. Et il l'a fait pour l'autre monde. Non. Si Haïti a. Je dis, hein, là, si Haïti a l'a fait, l'idée l'a fait pour tout le monde. Toute catégorie confondue. Et l'elle prend le paradis, hein? L'idée paradis pour tout le monde. Et toute catégorie confondue. Nous clés sur ça. Nous clés sur ça. Oui, ça me clé là-dedans. Parce que je dis toujours nous ça. L'autre Haïti que m'a prôné avec désir venesse là, moi toujours dit et m'a dit. L'impossible est le réel. Ah oui. Hmm? Oui. Le Haïti est impossible et réel. Ok. Oui. L'autre Haïti que moi toujours prôné avec désir venesse, non? L'impossible et le réel. Et. L'impossible et le réel. Et doué que engagement chaque haïtien. Doué que engagement chaque secteur, chaque groupe monde. Et je dis, hein, m'le que engagement ça arrive prend. M'le que bataille ça que le mener. Et l'autre, après Jean-Bel d'Or Sénat, Sénatus clairement dit que l'ambassade américaine, les États-Unis, dit tout secteur, tout le monde, tout acteur qui n'a question gang en d'un pays et qui a financé gang en d'un pays. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je pose une question ça. Est-ce que ça, Sénatus dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Sénatus, ça Sénatus dit, est-ce que l'ambassade américaine, est-ce que Jean-Robert d'Orsena, est-ce que vous connaissez tout le monde qui n'a commis activité, qui criminalité, ZAM en NAPE, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Donc je dis, m'blé que ça clé dans la tête. Je dis, m'a prédit encore. Pendant que, à travers la direction générale de la police, DG, mais fuck DCPJ tout, qui dit même c'est une direction en de la police, non? Mais fuck li mette au travail, nan identifié, nan koné, moun kap alimenté zam entre en pays, et kap alimenté zam en nan ghetto. Ce que je dis, hein, dis-moi sauve-le. Je dis, hein, ok. Fais-moi comprendre sauve-le. Ramon, il était passé comme directeur de CPJ, c'est-à-dire directeur de la police judiciaire.
Di Ramon Amil konnen. A di ge deux directions. Pi gros direction CDG hein. L'autre direction c'est DCPJ par rapport avec comme si bataille côté sécurité hein. Ramon Amil passé dans pensa déjà. Elle retourner comme DG la police. A di Ramon Amil connaît très bien qui disposition pour le prendre. Li connaît très bien qui bataille que le trois mène li deux mener. OK. Et je que le droit mener bataille ça pour arriver résoudre bay réponse avec insécurité. Et je dis là OK. Je dis, hein, n'abdi clair. Que question insécurité. Bataille pour que nous arrivions à résoudre sacrée l'insécurité hein? Mabdil li pas seulement n'a mobilisé. OK. Nan mobiliser les différents unités yo seulement pour al déloger pour al déchouquer vagabond. Li pas seulement ça. OK. Li pas seulement ça. Li pas seulement ça. Et je dis hein, m'a dit clair. Quel que soit moun, qui je dis, qui voulait que pour qu'on l'autre Haïti, et qui croit dans l'autre Haïti, m'a dit nous sincèrement l'impossible. OK? L'impossible, mais ça qui est important c'est que c'est pas un DG qui a venir résoudre cette guerre pour nous hein. C'est pas un premier ministre qui a venir résoudre cette guerre pour nous comme problème non. C'est pas un conseiller président qui a venir résoudre ça pour nous comme problème je dis hein. Yo là yo placé comme autorité. Li fait obligation à yo même pour yo exercer et pour yo prendre disposition parce que c'est yo qui l'état nan men yo. Et yo qui appareil l'état nan men yo. C'est yo qui gagne l'argent l'état nan men yo. Qui donc c'est yo même qui vous dégagez là dans un moment pour obtenir résultat. Mais en même temps, tout n'a dit que chaque grain de monde nous besoin synergie, nous besoin mariage. Nous besoin symbiose. OK? OK? Je dis hein.
OK? Je dis, hein? Nous avons besoin d'énergie. Nous avons besoin que chaque monde capable de comprendre nécessité, obligation qui gagne. OK? Obligation que fait de yo pour yo bataille pour yo goumen et vrai goumen, OK, pas seulement n'en dénoncer nous, mais je veux dire, je crois que c'est bon moment que pour que chaque haïtien pour yo réactiver, OK, réactiver, OK, réactiver ça relé, réactiver ça relé mouvement justice populaire, OK, réactiver remettez capé ça que n'relé justice populaire ça n'relé BK et jodi an li vraiment important li vraiment important pour que chaque grain nan nous comprendre accepter obligation qui fait pour nous river pour tes réponses pour nous river résoudre ça gien la comme problème et jodi an haïtien doit comprendre. Je dis, hein, haïtien doit être d'accord que ça gagne comme insécurité, hein, ça gagne comme problème, non, ça gagne comme réalité en d'un pays. Hein. Si que gagne sécurité, si que gagne la paix, OK, gagne sécurité, gagne la paix, ensemble, OK, OK. Gen sécurité, gen la paix, ensemble, n'ap capable de river résoudre sa gen la comme problème. Et je dis, hein, on m'a dit m'sauvle. Je dis, hein, on m'a d'accord avec. Je dis, hein, on m'a accepté ensemble avec moi. Que, depuis que volonté, hein, depuis que nous croyons dans le changement haïtien, si nous croyons dans l'autre haïtien, si nous croyons tout bon vrai dans le changement haïtien, on m'est assuré que le problème est à résoudre. On m'est rassuré que, pas aujourd'hui, pas demain, on a quand même éradiqué la question. Insécurité. OK? Question insécurité. Parce que chaque monde a compris. Chaque monde a d'accord. Que nous devons mener bataille contre insécurité. Nous devons mener bataille contre question violence grand goût de cabane dans le pays. Mais ouais, si pas insécurité, si pas de mots sur sécurité, n'a fait carrété, n'a dénonciation, n'a fait carré après t'étendre. D'ailleurs, dis-nous ça, pas t'étendre Kenya. OK? Nous pas dans question mission multinationale soutien sécurité à Haïti encore. Nous pas dans question ça encore. Nous pas t'étendre ça encore. Sylvine, il vini. L'Elvin, il vini. Que la police, OK? Que la police, que force organisée que lien, que lever campé et que engager dans bataille pour résoudre la guerre comme insécurité et comme problème en d'un pays, zanmi internaute. Merci en pile.